filles, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo 5 questions que personne ne pose. Donc on en était à la 30, donc c'est reparti. 31, sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui. 32, as-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Non, j'ai pas encore le permis. 33, es-tu déjà tombé en panne d'essence de voiture? Non. 34, ton sandwich préféré? Alors, sandwich qu'on achète dans les grandes surfaces, je dirais c'est poulet crudité. Et après, au McDo, c'est le chicken poulet, je crois. La meilleure chose au petit déjeuner, 35. La meilleure chose, je dirais pain grillé Nutella ou pain grillé avec du beurre. Pardon. Moustique. Pain grillé avec du beurre et du chocolat en poudre dessus avec un petit jus multifruit. 36. Le principe. Hein? En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Ça dépend. Quand j'ai cours, je préfère aller me coucher assez tôt. Après, quand j'ai pas cours, peu importe. Donc, quand j'ai cours, j'irai 22h30. Après, quand j'ai pas cours, je vais peut-être pas me coucher des fois. 37. Es-tu feignante? Ça dépend pourquoi. Quand c'est pour bosser les cours et tout, non. Enfin, ça dépend quel cours et la motivation, mais sinon, non. 38. Quand tu étais petite, en quoi te disais-tu pour Halloween? Bah, la sorcière ou une princesse. 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Je suis chat, je crois. Je crois. Je sais plus. 34. Combien de langues parles-tu? Alors, couramment, enfin, où je me débrouille vraiment très bien, forcément, le français et l'espagnol. Et après, une langue que je parle peu, on va dire, l'anglais. 41. Es-tu abonné à un magazine? Non. 42, pardon. Plutôt logo, Lego ou Domino? Aucun. 43. Es-tu têtu? Oui. 44. Claire Chazal ou Patrick ou Jean-Pierre Pernaut? Aucun. 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui, quand j'étais petite avec ma sœur. Hashtag plus belle la vie. 46. As-tu peur du vide? Oui, j'ai le vertige. 47. Chantes-tu dans la voiture? Oui. 48. Chantes-tu sous la douche? Oui. 49. Danses-tu dans la voiture? Ça dépend. 50. Sais-tu utiliser un pistolet? Bah oui, je pense comme tout le monde. Après, est-ce que j'en ai déjà utilisé un? Non. 51. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe? Jamais. Jamais fait de shooting. 52. Aimes-tu les comédies musicales? Oui. 53. Noël est-il stressant pour toi? Un peu. 54. As-tu déjà mangé un pierogi? Je sais pas ce que c'est. 55. Ta tarte aux fruits préférée? Tarte aux prunes. De ma mamie, bien sûr. 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Eh ben, toujours la même chose, vétérinaire. Mais depuis l'âge de 4 ans, je veux faire ça. Donc voilà. 57. Crois-tu aux esprits? Oui. 58. As-tu des impressions de déjà vu? Oui. Déjà vu? Oui. 59. Prends-tu des vitamines? Non. Portes-tu des pantoufles? Non plus. 61. Un peignoir? Non. 62. Que portes-tu pour dormir? Un pyjama. 63. Ton premier album reçu? Je crois que c'était la Starac. Non, c'était. C'était Ilona. Ilona, je crois, elle s'appelait. Un truc comme ça. 64. Carrefour, Dalaise ou Lidl? Carrefour. 65. Nike ou Adidas? Aucun. 66. Hamburger ou frites? Les deux. 67. Champ de tournesol de Coquelicot? Coquelicot. 68. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non. 69. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui.
70. Quel métier vois-tu faire ton futur mari? Peu importe, mais si c'est mon copain actuel, ce sera agent de sécurité. Voilà, donc on est à 70, il en reste 30. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite. Bisous!